camarades, amis, et maintenant, Chantal Renaud. Je ne vais pas chanter. Je vais vous lire le mémoire de Locolocas. Ma clique est prosélique, mais l'encyclique est laïque. Le hic est que certains excités ont décidé d'exciser la cité de sa laïcité. Mais moi, la religion, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse d'athée. L'autre jour, oui, je l'avoue, j'ai osé réacter, j'ai overreacté quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah. J'ai compris enfin pourquoi leur revue se nomme « Réveillez-vous ». Il est 7h du matin quand il sonne chez vous. Mais Christ, c'est moi patience, moi j'ai foi dans la science. J'encense la conscience et la désobéissance, puis j'écœure pas personne avec l'évolution de l'homme, la pomme d'Isaac Newton ou le gramophone d'Edison. Si on s'est débarrassé des satanées soutanes en 1960, c'est pas pour que les bondieuseries rentrent par en arrière dans la bergerie. Moi, dans ma maison, j'aime mieux la raison qu'une oraison. Et Marie poste, en tant qu'apostat, tient dans ce constat qu'on s'appelle Israël, Michel ou Rachid, qu'on aime les bagels, le beurre d'arachide ou le couscous. Ici, c'est une seule justice pour tous. Que tu sois de grand-mère près du Saint-Maurice ou que ta grand-mère vienne de l'île Maurice, en autant qu'on ait la même grand-mère gréviste, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent ou que tu aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Comme ça, les commissaires, il faudrait qu'on s'efface, qu'on se voile la face, qu'on agisse en majoritaire, alors qu'on a la langue à terre. Mais sachez, mes patriarches, que si vous mettez la hache dans ma souche, vous allez frapper un nœud. Je suis pas pure laine, encore moins haineux. Mais à force d'avoir été lacérée, mon écorce est écorchée. Puis j'irai pas lacérée pour plaire à la presse et prate, puis ceux qui nous pensent à quatre pattes. Ah oui! Franchement, est-ce qu'on est fiers d'être franco? Ou si on est 6 millions de facsimilés, de fucking frogs assimilés? Mais si on reste assis pendant qu'on se liquéfie, pourquoi ceux qui viennent ici nous diraient, s'il vous plaît, merci? Bienvenue à tous les nouveaux venus. Ici, il y a de la place en masse pour rassembler toutes les races. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais on ne fera pas le Québec en se passant deux. Non, on ne fera pas le Québec en se passant deux. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette organisation. Merci aux gens qui ont bravé la pluie. Merci aux bénévoles également. Merci au Rassemblement pour la laïcité et les Jeannettes. Et tous ceux qui sont venus des autres villes également, ce n'est pas une bataille pour la ville de Montréal.